Donc, l'idée d'organiser un colloque sur Leibniz et Diderot, c'était en fait d'organiser un colloque sur deux philosophes importants des 17e et 18e siècles, avec pour objectif de réfléchir à leurs contributions philosophiques. Et une des contributions philosophiques majeures de ces deux philosophes-là tient, disons, au développement de la modernité, c'est-à-dire les deux ont réfléchi beaucoup au développement des connaissances et au rôle que le développement des connaissances peut avoir en termes de progrès social. Donc, Diderot, par exemple, dont c'est le 300e anniversaire cette année de naissance, est un philosophe qui a réfléchi beaucoup à la façon dont le fait de réaliser une encyclopédie où seraient rassemblés tous les savoirs pourrait avoir un impact positif sur le développement de la société occidentale. Et donc, c'est un philosophe qui a une très grande importance et qui a eu une très grande résonance aussi par la suite. Évidemment, ces philosophes-là ont réfléchi à d'autres choses. Ils ont des contributions majeures sur d'autres domaines. Par exemple, les deux sont reconnus comme ayant des contributions très importante au niveau du développement des sciences du vivant ou ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie. Ils ont réfléchi aussi sur la théorie de la connaissance, dans le cas de Diderot, sur la philosophie de l'art. Donc, les deux ont des contributions très importantes et c'est ça que le colloque vise en quelque sorte à mettre en lumière.